Je fais ce métier depuis 18 ans. J'ai repris l'exploitation derrière mes parents qui avaient fait ce métier-là pendant une trentaine d'années. Alors j'ai un papa qui me dit « Laurent, t'es boulimique de projet ». Donc souvent on m'appelle un projet par an. Aujourd'hui, l'exploitation au fur et à mesure du temps a grandi. Elle compte aujourd'hui 1000 truies pour un tiers en sélection, deux tiers en multiplication. Nous faisons donc tous les travaux nécessaires à la progression de la race Large White et Landrace. Et nous avons pour but de commercialiser le maximum de cochettes sur les 32 000 porcs que nous produisons par an. Et le fait d'avoir 9 salariés, on côtoie aussi différentes personnes, on élargit notre cercle et puis on essaie de faire en sorte que ça marche puisque 9 familles vivent aussi aujourd'hui de notre exploitation. Pouvoir faire autant de reproducteurs sous air filtré, on n'est que 2 aujourd'hui en Europe. Sauf dire des bêtises, je crois que papa était le premier éleveur à mettre l'air filtré en place dans les bâtiments d'élevage de porcs. La technique de la filtration, c'est quoi? C'est qu'on s'est basé sur une technique qui est propre au milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'on vient filtrer l'air entrant dans les bâtiments, et donc après l'air est géré en surpression de façon à ne pas faire rentrer d'air extérieur qui pourrait justement être une source de contamination. Si on a fait le choix de créer notre marque LWD, c'est vraiment pour avoir un impact commercial important. Donc les 8 ou 9 000 porcs qui s'en vont par Asie du Sud-Est, Chine, Vietnam, Corée, Thaïlande et aussi l'Espagne dans un périmètre plus proche. Et le reste part donc avec Kermené, avec qui on a développé un partenariat sur du porc Label Rouge. Donc aujourd'hui, la commercialisation des porcs Label Rouge représente à peu près 24-25 000 porcs par an. Le faire, mais pas n'importe comment, en disant voilà, on doit être vitrine pour notre métier, on doit être fier de notre métier, on doit se dire cet élevage-là est difficilement critiquable. Et je pense que si aujourd'hui je suis bien dans mon entreprise, je suis bien dans ma famille, etc., et ça c'est super important, ça veut dire la liberté.